Joe entame dans quelques foulées le dernier virage dans la ligne droite finale avec League of Legends à l'arrière. Ils sont déjà sous pression. 6 passes, Rasta Rebel qui va essayer de contourner le peloton. League of Legends qui tente de résister. Saint-Arnaud, 6 passes, Rasta Rebel complètement à l'extérieur. Rasta Rebel, League of Legends avec Saint-Arnaud qui va bien terminer. Rasta Rebel, quel avantage pour l'instant. Rasta Rebel va l'emporter devant League of Legends et Saint-Arnaud. Rasta Rebel monté par Jamia Aliosen. Rapprocher, puis on retrouve Freddy Flint, le coursier de l'écurie Pedro qui va tenter de revenir. Dealer's Charm, et puis derrière, ce sera difficile pour rejoindre Max Amor qui a une bonne marge de manœuvre. Attention à Game Loft à l'extérieur. Max Amor va s'imposer comme attendu et dans un fauteuil. Max Amor et Robbie Frapp devant Game Loft Sky High Flyer. Puis on retrouve Freddy Flint qui finit quatrième. Les choix à bord de la courbe pour entrer dans la ligne droite finale à présent avec Orange Tractor qui accroche déjà Kemal Kavour à l'extérieur. Arthur Bleu a-t-il essayé de faire l'effort? Orange Tractor qui tente de partir. Maintenant on va essayer de revenir sur lui. Orange Tractor Castle qui va essayer de mieux terminer. Mais Orange Tractor est parti. Orange Tractor monté par JP Van de Mauve va s'imposer en roue libre devant Castle. Troisième Kemal Kavour, ensuite Arthur Bleu LT. Et Talbec qui n'allait plus à 400 mètres. Orange Tractor. C'est le sprint final. Attention, Charleston Hero, No Resistance tombe sur lui. No Hazard va chercher l'ouverture. Probablement pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Answering Genesis, No Hazard. No Hazard, Answering Genesis. No Hazard a mis le nez devant. Noah's Ark, attention à l'intérieur, Racing for Fun, Noah's Ark, Racing for Fun. Ensuite, on retrouve Answering Genesis et Chinese Gold. Noah's Ark résiste à Racing for Fun sur les barres intérieures. Sur la montre de Souffol des Chevaux entame le dernier virage avec Jolly Roger Chili Con Carne qui va essayer d'accrocher maintenant Jolly Roger. On tente de s'amener à l'extérieur avec Aragon et les autres. Chili Con Carne qui essaye de passer Jolly Roger qui résiste pour l'instant. Jolly Roger avec Chili Con Carne à l'extérieur. Jolly Roger qui va l'emporter devant Chili Con Carne Malakel Molouk. Jolly Roger foncé sur lui. Il y a également Riding Shotgun, pas mal du tout. Puis Northern Rebel, Doyles et Royal Explorer en pleine ligne droite. Captain Falcon, Kudutu et Zodiac Jack à l'extérieur. Zodiac Jack lancé par Swapnil Rama à l'avantage. Kudutu à l'intérieur. Zodiac Jack, Kudutu. Zodiac Jack s'impose devant Kudutu, Riding Shotgun. Puis il y a le cheval de l'écurie Gadjada, Captain. Derrière, il y a Napoli qui va contourner tout le peloton avec maintenant Top of the Rock qui est parti en pleine ligne droite. Difficile probablement pour les autres de revenir sur Top of the Rock qui a pris ses distances, qui ne sera pas rattrapé. Une victoire aisée donc pour Top of the Rock s'impose à son aise devant Bypass. Puis on retrouve le 4 Napoli. C'est pour Rockin' Jollies qui va essayer de contourner le peloton dans la ligne droite finale. Maintenant, Heart of Darkness, Quick the Win à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a Saracen King et Captain Spawn disait Rockin' Jollies également à la lutte. Donc, belle lutte pour la victoire ici avec Quick the Win à l'intérieur. Quick the Win, Saracen King tente de s'amener. Quick the Win, bonne emportée. Quick the Win devant Captain Spawn disait.